Salut à tous. Bon alors petite vidéo toute simple pour vous dire que là je suis aujourd'hui dans un devant un hôpital, vous connaissez peut-être, ça s'appelle l'hôpital Saint-Louis. Et puis j'en profite parce qu'en fait je me suis dit voilà, quand on a un blog comme ça, qu'on est beaucoup regardé, c'est aussi bien de passer des messages positifs plutôt que aussi que des conneries. Enfin, ce qui ne veut pas dire que j'arrêterai mes conneries. Mais voilà, je trouvais ça bien d'avoir une petite pensée pour tous ceux qui aujourd'hui, pendant que certains s'éclatent en vacances, n'ont pas pu partir, que ce soit des jeunes ou des plus vieux qui sont là, parce que j'ai croisé dans quelques chambres des petits jeunes et petites jeunes qui étaient en chimio, etc. Et puis voilà, j'aimerais bien avoir une petite pensée pour tout cela, et puis je me dis qu'avec un peu de chance, quelqu'un va regarder cette vidéo depuis sa chambre et se sentira touché par ça. Donc voilà, c'était... Bon, vous savez à peu près que par rapport à mon expérience, je suis plus ou moins concerné, donc voilà, c'était un gros coup de pouce, ou comme diraient les beaufs, un gros big up, et un gros bisou, et surtout un message d'espoir et de courage pour tous ceux qui passent cet été, et sûrement plus de temps encore dans des chambres d'hôpital. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et puis vraiment, je vous le dis, c'est super émouvant de voir des gens. Là, je viens de voir passer une mère qui a l'air super triste, il doit se passer quelque chose là-bas, et puis tu vois le petit qui a 6 ans, qui joue, qui rigole, et qui se rend pas compte encore. Et je sais que c'est des gens qui. Il y a pas mal de gens qui vivent ça, et c'est vachement émouvant, en même temps attristant. On réalise pas mal de trucs, et quand on se bat dans les couloirs d'un hôpital, on ouvre les yeux sur beaucoup de trucs. Voilà, ma mère, elle me disait souvent, je vais t'amener voir les hôpitaux, tu verras, ça te fera prendre conscience. Je disais non, je m'en fous, bah là. Je vous le dis, voilà, c'est bien de redescendre un peu sur terre. Donc gros bisous à tous, et surtout bon courage. Salut à tous.